Tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur, j'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Oh, ça, écoute, c'est surfait. Oh, oh, ça va, ça va. Ah, oh. Bon, dis-moi, j'imagine que t'es pas venu jusqu'au couard pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu, pour que je parte vers l'ouest. Rend, ce que j'ai fait à la flèche, ce qu'on a fait, ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment? Mais c'est génial! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule? Ouais, bien sûr. Eren, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Vouadis, le studieux. Oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Vouadis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi? Toi, t'excuser? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Rien. Laisse tomber, d'accord? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça? Eren, si je suis partie comme ça, c'est pas pour rien. J'avais mes raisons. De bonnes raisons. Merci pour l'info. Écoute. La vie sur Terre est en danger, et moi seule peux la sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te le dire. Tout ce qui est en vie va mourir si je ne répare pas une technologie créée par les anciens. Et on n'a plus beaucoup de temps. Ben, j'imagine que c'est une bonne raison. Je suis un débile. Eren, par la forge. Bon, va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Cagnard. Non, non, vraiment. T'as d'autres choses à faire. Je comprends. On va se débrouiller sans toi. Ah, ça ne dit rien qui vaille. Tu vas devoir t'occuper de ça toute seule. On ferait que te ralentir.